mon écran. Donc, j'espère que mon écran est visible. Du coup, voici la présentation de l'application Slack. Vous avez sur l'angle gauche de l'application, la partie qui est colorée en violette, les différents channels, ou bien les différents canaux qui vous permettront de poser des questions et de structurer ce qui est dit. Donc, on a le premier canal qui s'appelle annonce. Donc, je pense que lorsque vous vous devez avoir accès à ce canal annonce. Donc, dans ce canal, vous aurez les différentes annonces ou les différents points qui vous seront partagés sur l'académie. Donc, déjà, vous pouvez voir qu'il y a certaines discussions qui sont en train de se présenter. Donc, toutefois, on a le lien Zoom qui vous sera partagé chaque jour qui permettra de vous connecter ainsi que d'autres annonces qui vous seront partagées. Donc, vous pouvez voir sur mon écran que Alice vous a partagé le dossier dans lequel se trouvera les présentations de chaque jour, les présentations qui seront disponibles après chaque jour dans le dossier. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton ce dossier et présentation. Okay. Vous avez le canal annonce, c'est pour faire des annonces, okay? Des annonces sur l'académie en cours. Donc, il y a la partie présentez-vous, il y a le canal présentez-vous qui vous est aussi disponible. Donc, dans le canal présentez-vous, lorsque vous finissez de vous enregistrer, de vous connecter sur le Slack pour vous présenter. Donc, on peut déjà dès lors voir certaines personnes qui ont eu l'opportunité de se connecter, de se présenter. Donc, toutefois, on invite tout le monde à se présenter pour qu'on se connaisse tous et savoir vos inquiétudes. Okay? Donc, vous avez le champ qui est coloré ou qui est encadré en bleu qui vous permet de saisir du texte et de l'envoyer. Okay. Donc, c'est comme une application de messagerie, comme WhatsApp, Messenger, etc. Vous n'avez qu'à écrire votre texte et appuyer sur le bouton Entrée de votre papier pour permettre d'envoyer le message en question. Okay. Donc, on a les deux canaux que je vous ai présentés. Toutefois, on aura après les différents canaux qui vont s'ajouter pour que qui vous permettront de poser vos questions, vos inquiétudes et de voir plus clair. Okay? Donc, voici une brève présentation de Slack. Donc, je pense qu'on peut vous donner quelques minutes pour permettre à ceux qui ne sont pas encore connectés de se connecter sur la plateforme Slack et de nous envoyer votre présentation si possible. Merci. Agnon, la parole. Merci beaucoup, Sylvia, pour cette présentation. Je pense que les gens sont en train de déjà se présenter là-bas. J'espère que tous ceux qui sont ici sur Zoom, vous avez déjà accès à votre Slack. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez nous laisser un message ici. Nous allons prendre la peine de répondre ou de gérer directement la situation. Et une fois de plus, merci à tous ceux qui se présentent actuellement dans cette partie. Nous allons réellement discuter avec Slack. Les facilitateurs auront cette possibilité de voir vos questions et de directement répondre. Donc, c'est un outil très intéressant
Et je pense que c'est ce que les autres aussi utilisent et nous allons pouvoir l'utiliser assez facilement. Donc, je vais rappeler aux participants de couper leur micro afin d'éviter les bruits de fond et permettre aux autres d'être focalisés sur le facilitateur. Juste après ça, je pense qu'il n'y a pas de message, hein. Tout le monde a pu se connecter ici. Bon, nous voyons comme ça. Donc, nous allons gérer cela très rapidement. Une seconde, nous allons gérer cela. Hamza, je pense que vous êtes déjà connecté. Nous allons gérer ça après, parce que nous voyons que tu es déjà sur Slack. Donc après, on peut s'envoyer des messages pour gérer cela sans problème. Je pense qu'on va continuer. Avec le concept du mot du jour. OK, par rapport au mot du jour, OK. Bon, je pense qu'avec Hamza, c'est en cours. Donc, nous allons juste revenir sur l'aspect lié au mot du jour. Nous savons que vous allez prendre part à cette académie, mais il est aussi important de pouvoir mentionner votre présence, signifier votre présence. Donc, pour ce faire, nous allons à chaque partie, ou peut-être chaque jour, nous allons balancer un mot qui va constituer le mot du jour. Donc, l'idée, c'est de pouvoir suivre la section et quand le facilitateur va vous annoncer le mot du jour, vous allez capter le mot du jour et vous allez remplir la liste de présence. Donc, sur une ligne, il y a la liste de présence. Vous devez mentionner le mot du jour. Si vous mentionnez le mot du jour, cela veut dire qu'effectivement, vous étiez là et que vous avez suivi la présentation ou les sections du jour et finalement, vous avez marqué votre présence
Bien sûr, vous allez marquer votre nom, mais il faut aussi marquer le mot du jour pour que cela, votre présence soit comptabilisée. Donc, chaque jour, il y aura un mot différent que nous allons donner peut-être à la première section ou à la deuxième section, en début de journée ou à la fin de la journée. Donc, il n'y a pas un moment fixe où nous allons donner le mot du jour. Donc, nous allons vous demander d'être attentifs. Ça peut être pendant la présentation du facilitateur. Donc, au cours de la présentation, il peut dire, en fin de pause, je vous donne le mot du jour et vous allez pouvoir remplir en fin de section la liste de présence avec le mot-là. Et c'est ce que nous allons comptabiliser. Cela entre quand même dans l'obtention de votre certificat. Donc, soyons attentifs. Aujourd'hui, on n'a pas encore donné le mot du jour. On va le donner après. Et nous allons aussi vous donner le lien vers le formulaire de présence. Donc, vous aurez la possibilité de marquer votre présence à travers le lien ou le formulaire que nous allons vous envoyer. Pour ceux qui ont déjà cliqué sur le lien qui mène vers le dossier, vous aurez déjà quelques liens là-bas, quelques outils, quelques présentations. Donc, tous ensemble, nous allons coordonner pour que tous ceux qui prennent part à cette académie puissent marquer leur présence et à la fin obtenir leur certificat. Donc, tout cela, comme Sylvia l'a dit tout à l'heure, c'est la même chose. Il faut cliquer sur le lien et vous allez voir que dans le dossier, vous aurez les ressources, les présentations. Et juste après, vous avez un fichier Word. Donc, quand vous ouvrez ce fichier Word, vous avez l'agenda qui est là. Vous avez le lien pour rejoindre la communauté. Vous avez le mot du jour et vous avez le lien pour le feedback du jour. Donc, vous avez tous ces liens-là qui vous sont très, très, très utiles. Bon, je pense que c'est ce qu'il faut savoir en matière du mot du jour et de la disponibilité des ressources, la disponibilité des présentations qui seront directement envoyées dans ce dossier que nous avons partagé avec vous. Bon, je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième section du jour, mais il ne manque que la photo de groupe. Pour ce faire, avec la permission de Mademoiselle Sylvia, nous allons laisser l'expert gérer ce moment. Donc, nous allons laisser cette partie à Alice pour capter la photo de groupe. Donc, je pense que nous allons ouvrir nos caméras, mais je laisse la parole à Alice. Merci. Merci Agnou. Un instant, je dois juste faire quelques petits règlements d'abord. D'accord? Juste un instant. OK, pendant ce temps, nous allons pouvoir ouvrir nos caméras. Donc, je vois certaines personnes que je connais. Alors, quand je vais vous le dire, vous allez tous faire un coucou à la caméra. Juste encore un petit instant. Alors, allons, s'il vous plaît, Alice, je m'excuse. Oui. C'est André depuis la RDC, mais quand je clique ma caméra, on me dit que l'autre m'a arrêté là. S'il y a possibilité de m'activer, je vous en prie. Merci. Un instant. Oui, ce qu'il a dit, c'est pareil pour beaucoup de participants. L'animateur. Bon, ok, je vais essayer de gérer ça.
OK. Attendons, patientons une petite minute. Le temps de prendre la photo de groupe. Nous allons permettre aux collègues de se présenter. Pour commencer, je vais laisser la parole à Monsieur Jerry qui va se présenter. Bonjour Jerry. Bonjour Agnon, bonjour à tous. J'ai été arrêté aussi. Je ne peux pas. OK, bonjour à tous. Moi, c'est Jerry Aziawa. Je travaille pour East West and Central Africa comme responsable de mise en œuvre. Je vais peut-être passer la parole à Sakibu pour qu'il se présente. OK. Bonjour à tous. Alors, moi, je me nomme Sakibu Alassani. Je travaille aussi pour East West and Central Africa. Merci. D'accord, nous allons passer la parole à Moukaïla. OK, bonjour à tous. Moi, c'est Moukaïla Laboja. Je travaille également pour HISP West and Central Africa. Merci. Alors, Agnon, il n'y a plus de son, hein, au cas où quelqu'un entendait parler. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit problème avec la connexion de Agnon. Ah, il est de retour maintenant, je pense. Agnon, tu nous entends? Oui, je vous entends maintenant, désolé. Oui, docteur Samake, je ne sais pas si vous êtes là. Bonjour tout le monde, je suis Souleymane Samake. Je suis implémentaire DHS2 à East West and Central Africa. Merci. Docteur Siliada. Alors, bonjour à tous. Je suis Kofi Siliada, directeur des programmes de East West and Central Africa. Merci. Merci. Docteur Chanile. Bonjour à tous. Je reviens. Moi, c'est... Bon, hein? Pardon. La vidéo est bel et bien lancée. Oui, oui. Donc, je suis Dr. Chanli Ganim. Je fais partie de l'équipe de East West and Central Africa en tant qu'implémentaire. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Clément Dadjo, je ne sais pas s'il est revenu. Nous allons passer la parole à Monsieur Patti. Agnon, juste, excusez-moi Patti, avant de commencer. Alors, je suis en train de permettre à tous ceux d'entre vous qui n'avaient pas la caméra enclenchée de pouvoir enclencher votre caméra. Si vous avez toujours des problèmes, n'hésitez pas à écrire dans le chat et j'activerai manuellement votre caméra. Voilà, désolé. Allez-y. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Monsieur Banou Batidadjo et directeur de l'hébergement serveur à East West and Central Africa. Merci. Ouais.
Ok. Monsieur Fati. Moi, c'est Fati qui est RDC. Nous n'avons pas entendu. En fait, moi, c'est Fati Keto, je suis de ISP RDC. D'accord, merci. Docteur Ismaël. Bonjour à tous. Ismaël Damelé, je suis de Mali. Docteur Wassa. S'il vous plaît, n'oubliez pas de ne pas activer votre microphone quand vous n'avez pas la parole. Merci beaucoup. Kip, Smiley, est-ce que les autres sont là? Il y a Dr Maïga qui est là. Je pense qu'il a un problème de micro aussi. Dr Abdelaye Maïga. D'accord. Je pense que... Il peut activer son micro normalement, maintenant. Dr Maïga? Est-ce que Madame Oumou est là? Je ne pense pas, non. D'accord. Ok. Je pense que, vous voyez, nous avons beaucoup de facilitateurs qui vont réellement intervenir pendant cette grande académie. Et nous sommes très heureux, très, très heureux. De votre participation à cette académie. Donc, je tiens à remercier tous ceux qui se sont inscrits en ligne. Donc, pour cette académie, nous avons 22 pays inscrits. Donc, je tiens à dire coucou à nos amis de l'Angola. Bonjour. Bonjour à nos amis du Bénin. Bonjour. Bonjour au Burkina Faso. Bonjour Burundi. Bonjour. Bonjour Cameroun. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour Centrafrique. Bonjour, chat. Bonjour à la Côte d'Ivoire. Bonjour. Alice, je dis que ça, c'est la triche. Pardon, c'est quoi? Non, quand Agnès a dit bonjour la Côte d'Ivoire, vous avez réagi, j'ai dit que c'est la triche. Je suis désolée. D'accord. Ok. Bonjour, Guinée-Bissau. C'est pas la triche, c'est le patriotisme. Yes. Bonjour, Guinée-Conakry. Bonjour, bonjour. Bonjour, Madagascar. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour de Madagascar. Bonjour, ministre de la Santé. Bonjour, Mali. Bonjour, Mauritanie. Bonjour. Bonjour, Mozambique. Okay. Vaccin conjugué, égal vaccin. Bonjour, Niger. Ça veut dire quoi? Bonjour, République démocratique du Congo.
Bonjour. 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 On est là. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour, République du Congo. Bonjour. 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 Bonjour, bonjour. Okay. Okay. Bonjour. Okay. Okay. Toi, tu parles le nom du Congo, c'est quoi? Tu es banni. Bonjour. Bonjour, Rwanda. Bonjour, le Sénégal. Bonjour, le Sénégal. Bonjour, l'Afrique du Sud. Bonjour, Agnon. Bonjour, le Togo. Bonjour. Bonjour. Merci, merci à tous. Bonjour à tout le monde. Nous n'avons pas le temps de citer tous les noms, donc nous ne l'avons fait pas payer. Donc merci, merci à tout le monde. Nous aurons le temps de discuter dans Slack et dans la partie messagerie de Zoom. Mais je pense avoir oublié un facilitateur du Rwanda. Bonjour Adolphe, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr, bien sûr. Bonjour à tout le monde, je suis le nom d'Adolphe Kamugunga. Je travaille pour Rohis Rwanda. Donc, je suis ici pour, avec mes collègues pour partager l'expérience du Rwanda en rapport avec l'usage et l'implémentation des trackers, surtout dans la gestion des cas COVID. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Alice, de ton côté, c'est bon. Monsieur Agnew. Oui, Antoine. Oui, mais en quelle année nous serons les facilitateurs? Pardon? En quelle année nous serons les facilitateurs? Le Congo, tu veux avoir un facilitateur? Ça va dépendre de vous. On va y travailler. D'accord. Je vais donner ton cahier de siège. Désolée. Alors, okay. Je pense que on va pouvoir prendre la photo de famille. Donc, je vais. Il y a certains participants qui ont encore leur caméra bloquée. Est-ce que Anna, ça t'ennuie de voir ça avec les participants qui ont encore ce problème? Pendant ce temps-là, moi, je vais demander à tous ceux qui apparaissent à l'écran. Alors, vous allez faire un coucou en regardant la caméra et en faisant votre plus beau sourire, comme si c'était le jour de votre mariage. Mais pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Ben, comme si c'était un heureux jour. Coucou. Mais bon, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. Je continue. Étant donné que nous sommes nombreux, je dois m'y mettre. Voilà. Hop. Coucou, bonjour. Coucou, toujours, bonjour. Toujours. Voilà. Et une dernière fois. Voilà. Super, ça devrait être okay. Bon normalement. Mais apparemment Alice n'est pas de la photo. Ah, allô. Oui. Allô. Oui, allô. Bonjour. Bonjour. Vous avez nous Ouagalo depuis le Mali. Bon. Bonjour le Mali. Ouais, informaticien à la Direction Générale de la Santé. C'est un plaisir. Je pense que nous en avons terminé avec la photo de famille. Maintenant, je pense qu'on va. Agnew, je te laisse la parole pour. Oui, merci beaucoup. Je pense que nous allons faire une pause de 30 minutes. On se voit. À 11h45, temps universel.
Agnès, j'ai l'impression qu'on a, on a pris un peu plus de temps que prévu. Tu es sûr qu'on ne devrait pas réduire un petit peu? Si on peut, on peut réduire de 10 minutes. On peut se retrouver à 11h35, 30 ou 35. C'est bon? Ouais. Oui, c'est parfait. Parfait, ça peut aller. 35 au plus tard. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Merci. Ok, ok, à tout à l'heure. Merci. Merci. Je tenais à dire bonjour à l'assistant de Noé qui semble être avec lui.